Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans une vidéo absurde autour d'un film absurde. Il s'agit de Zaï 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 Zaï, réalisé par François de Sagna. Oui, le frère de Vincent de Sagna, le réalisateur qui a fait La Beuse, qui transpose donc à l'écran la BD culte de Fab Caro, ici présente. L'histoire, pour faire extrêmement simple, c'est Fabrice qui va faire ses courses. Et il a oublié sa carte de fidélité. Et il va devenir un fugitif. Oui, c'est bien résumé. C'est absurde. C'est bon de le placer tout de suite parce que sinon, si vous allez voir le film en imaginant que c'est une comédie très classique au vu du réalisateur et de l'acteur, ça serait bête. Je vous ai montré ça. Il fallait absolument que j'aie Adrien avec moi pour cette vidéo. Pour la simple et bonne raison que c'est Adrien qui m'a offert cette BD. Merci Adrien. J'en Je t'en profite. prie, avec plaisir. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Je vais très bien. J'allais enchaîner directement sur le film, je ne sais pas. Bah presque, Mais. oui. Bah non, mais si on devait vaguement résumer un petit peu le contexte, donc il y a cette BD qui est tout de même considérée comme une BD culte par beaucoup de personnes, qui reste quand même une BD qui a trouvé son public chez certaines personnes. C'est pas non plus un succès de librairie phénoménal. Fab Caro, vous avez surtout entendu parler de lui dernièrement parce que c'était lui qui avait écrit le discours qui avait été transposé à l'écran par Laurent Tirard. Mais du coup, Fab Caro, il a quand même beaucoup de choses et cette BD, elle semblait complètement inadaptable parce que je peux pas forcément vous le montrer là, mais vous le verrez si jamais vous commencez à la feuilleter. C'est une BD qui consiste à une page, une histoire autour d'un fil rouge avec Fabrice qui a oublié sa carte de fidélité, qui se retrouve à être fugitif. Donc c'est quand même un concept un peu particulier. Et Jean-Paul Rouve lui-même l'a annoncé dès le début lorsque François de Sagna lui a proposé de faire le film, il lui a dit, pour moi c'est inadaptable. Ensuite, il a visiblement accepté le projet parce que selon lui, le scénario semblait intéressant et adapter une partie un peu sombre et en toile de fond de la BD. Voilà. Ce qui fait que du coup, on se retrouve avec un film d'1h22 basé sur un concept quand même un poil perché qui n'a pas forcément la distrib à laquelle on s'attendait avec Adrien parce que c'est vrai que lorsqu'on a imaginé faire cette vidéo, on s'était dit que ça sortirait dans plein de salles et au final, dans le coin où on est, c'est dans une seule salle. Donc c'est très surprenant. Mais pas tant une fois qu'on a vu le film. Bref, contexte placé, mon cher Adrien, qu'as-tu pensé de Zaï Eh bien, j'ai préféré la BD. Allez, voilà, c'est emballé, c'est pesé, bonne journée. Non, mais à l'image de la bande-annonce, enfin non, pas à l'image de la bande-annonce, parce que la bande-annonce, quand je l'ai vue, je me suis dit ça va être catastrophique, justement parce que c'est inadaptable, et que la pire idée qu'il pouvait avoir, c'était de l'adapter au cinéma. C'est drôle parce que c'est en BD et parce que c'est à l'écrit. Donc vraiment, si l'idée c'était d'en faire la même chose en film, rien n'allait marcher, ce qui semble être vraiment le cas dans la bande-annonce. Au final, ils ont quand même gardé beaucoup de choses de la BD, mais ils ont aussi su soit faire de nouvelles choses, de nouvelles propositions en tout cas à l'écran, soit de l'adapter différemment, ce qui fait que c'est jamais totalement raté. C'est jamais totalement bon non plus. Mais en tout cas, ils ont le mérite d'avoir essayé parfois d'autres choses, et malgré tout, ça reste l'adaptation de la BD, donc faut bien regarder aussi. Et ce qu'ils ont gardé, pour moi, je trouve que bah voilà, vu que c'est une BD, ça marche pas forcément. Donc ce qu'ils ont gardé, ça marche moyennement. Ce qu'ils ont proposé, ça marche moyennement, ça fait un film moyen. Selon moi. C'est bien résumé. Non, non, c'est bien résumé. En fait, le film est très symptomatique du problème qu'il y a depuis maintenant une bonne dizaine, voire vingtaine d'années au sein du cinéma français et de l'idée d'adapter des bandes dessinées au cinéma. C'est-à-dire que là, on est sur l'exemple typique, comme l'a si bien dit Adrien, d'une bande dessinée qui est inadaptable. Sur le papier, c'est vraiment inadaptable, Zaï 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 Zaï. C'est un enchaînement de sketchs basé sur des situations que l'on connaît tous, avec un auteur qui parle de lui de manière introspective en plus, puisque le personnage donc de la BD, Fabrice, c'est une introspection donc de Fab Caro. C'est lui en fait qui est le personnage principal de sa propre bande dessinée, et c'est de lui un petit peu qui se moque au fur et à mesure de l'avancée de son personnage au sein de son récit. Donc il y a le côté introspectif ici qui est remplacé par l'idée d'un Fabrice acteur très connu, qui du coup se retrouvera au milieu de tout ce chambardement. Ah ça du coup c'était malin, c'était Ce qui est une intelligent bonne parce idée, que oui. ça n'aurait pas eu de sens de. Parce que vu que c'est la BD, c'est l'auteur de BD qui est moqué tout le long de la bande dessinée. Là c'est cohérent que ce soit un acteur de comédie qui soit moqué tout au long de la comédie. Donc des idées comme ça au moins c'est intelligent, c'est ce qu'il fallait faire. Après est-ce que ça a bien marché? Je sais pas, mais en tout cas là c'était la bonne chose à faire. Oui, non, mais c'est une bonne idée. Ça fait partie des bons points qu'il y a à mettre sur les épaules du film parce que clairement, derrière, le gros problème, c'est qu'on est sur un film
qui a de l'absurde, sauf que c'est de l'absurde qui, je pense, peut être réellement difficile d'accès. Et c'est pas une mauvaise chose que de dire que dans notre salle, il y a quand même quasiment la moitié des spectateurs qui sont barrés au bout de 40 minutes de On film. était 6-7, il y en a au moins 3 qui sont partis. C'est ça. Voilà. Donc à partir de là, je pense que c'est très représentatif du type de film auquel on a affaire. C'est un film absurde, qui enchaîne des situations absurdes au sein d'un univers non pas complètement absurde, mais quand même bien barré. Parce qu'à partir du moment où tout le monde a la même Renault Capture partout, je me pose un petit peu des questions sur la vacuité d'un tel univers. Mais en tout cas, on va dire que l'idée est intéressante, comme tu l'as si bien dit, mais tout ce qui en est tiré est parfois soit trop extrême, soit au contraire trop gentillet, et on n'a jamais cette petite balance qui justement pousserait le film un petit peu en avant. Enfin, à contrario du Discours, qui par exemple pour moi est un exemple de film qui comprend l'univers un peu bizarre de Fab Caro, tout en réussissant à en saisir quelque chose d'extrêmement crédible et extrêmement assez mouvant Parce d'ailleurs par de que oui, nombreux mais aspects. parce que même le matériau de base est beaucoup plus mélancolique, beaucoup Exactement. plus. D'ailleurs, c'est Fabrice Caro et non pas Fab Caro, parce qu'il se différencie, je sais pas si tu savais Si, toujours. Les comédies ou même si le l'absurde. roman, quand tu le l'achètes maintenant, c'est marqué Fab Caro. Ah, ok, je C'est croyais pas que t'avais. marqué par Fabrice, Ok. c'est marqué par Fab Caro. Et Et bah même pourquoi quand pas. ils ont cité au générique du discours, c'était marqué un roman de Fab Caro. Oui, Ce qui effectivement. était très Tout à surprenant fait. d'ailleurs, parce que c'est vrai que Mais tu m'avais parce dit en plus qu'il y que. avait Ouais. Dissociation. Quand Exactement. il écrit des trucs plus sérieux, il va s'appeler Fabrice Caro sur ses bouquins. Et quand il fait des comédies absurdes ou des strips, des trucs comme ça, c'est plus Fab Caro. Et toujours est-il que même le discours de base est quelque chose de beaucoup plus mélancolique, de beaucoup plus sérieux et de beaucoup plus ancré dans la réalité. Il n'y a rien d'absurde, si ce n'est. Non, rien d'absurde, c'est juste parfois un peu de comédie. Mais. C'est des situations déjantées, disons. Donc c'est pas de Oui, l'absurdité, voilà. c'est Et du coup, le film est à son image, donc. Je te propose qu'on passe à l'écriture, Très bien. qu'on ne perde pas plus de temps. L'écriture, donc, c'est François de Sagna ainsi que Jean-Luc Gagé qui ont adapté donc la BD de Fab Caro. Je pense que le point sur lequel on peut vraiment se baser, nous, parce que grâce à toi j'ai pu lire la BD et donc du coup on a un peu ce recul, c'est le fait que en termes d'adaptation, ça suit plutôt bien la bande dessinée. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Ah bah. Mais après, et c'est la question que tu poses un petit peu en introduction, c'est est-ce que adapter littéralement la bande dessinée, c'est une bonne chose? Ou est-ce que c'est juste en tirer un truc qui marche pas forcément au cinéma? Bah, je trouve qu'en fait ils ont parfois été pas assez loin, ou alors ils auraient dû totalement se différencier de la bande dessinée, juste reprendre la trame scénaristique d'un truc totalement innocent tel que avoir perdu ou ne pas avoir sa carte de fidélité sur soi, pour en faire quelque chose qui prend des proportions totalement déjantées, mais sans reprendre forcément toutes les blagues de la BD qui sont drôles parce que tu les lis et non pas parce que tu les vois à l'écran. Et je trouve qu'ils auraient dû partir sur l'idée de base, mais pour en faire un truc propre au cinéma, tel qu'ils ont adapté l'auteur de BD en acteur de comédie, et ben ils auraient dû faire pareil pour le bouquin et faire des trucs qui marchent parce que c'est à l'écran, parce que c'est de la mise en scène, parce que c'est du montage, là où tu pourrais pas le faire dans une bande dessinée. Ce qui fait qu'il y a plein de trucs, plein de. Et surtout, comme je disais aussi, on est dans la partie scénario, donc on va parler aussi des dialogues, je suppose. Zay, 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 c'est très drôle, mais pas forcément pour son histoire, si ce n'est pour le postulat, mais par ses dialogues et par voilà, toutes les chutes de blagues. Tu disais que c'était une blague par page, plus ou moins, ça reste quand même une histoire entière, mais effectivement avec des petites scénettes par-ci par-là. Et c'est toujours la chute qui fait rire, ou les dialogues. Sauf que du coup, comme je disais, ils sont drôles parce qu'ils sont écrits. Et quand tu les vois dans le film, bah souvent, soit ça sonne faux, soit ça marche pas, soit tu vois ce qu'ils ont voulu faire. Mais ça marche pas quand même, parce que ce qui est drôle aussi, c'est des fois la manière dont tu te lis dans ta tête, ou dont c'est écrit, tu vois ce qu'ils ont voulu faire, et ça marche très bien, parce que là, y a personne qui le dit, donc ça peut pas sonner faux. C'est juste une réplique qui est drôle, mais à l'écran, bah, ça l'est souvent beaucoup moins. Là, c'est le réel problème qu'il y a à partir du moment où on choisit d'adapter une bande dessinée, c'est qu'on adapte un matériau de base qui est très démonstratif visuellement parlant. Et donc, entre guillemets, quand on est scénariste ou réalisateur, ici, dans cette position-là, Gagé et de Sagna, clairement, ils étaient dans une position un petit peu bizarre où ils se sont dit, il faut qu'on respecte le matériau tout en le transposant au cinéma. Parce que si vous faites un petit peu zaï, 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 c'est très surprenant les dessins. C'est pas des dessins parfaits, c'est pas complètement Oui. affiné, c'est beaucoup de formes, beaucoup. On voit les personnages, mais c'est jamais des belles cases avec beaucoup de couleurs. Au contraire, c'est très léger, c'est très sobre, donc ça laisse beaucoup de liberté finalement à l'interprétation. C'est-à-dire que là où l'image est là pour parfois réellement concrétiser une certaine vision, là ici on est plus dans une certaine liberté d'interprétation. On voit la structure de base, mais on n'est pas non plus figé par cette image. On n'est pas en train de se dire, il faut que la vision que j'en ai
ça soit parfaitement collé à ça. A Non, contrario d'un roman, lorsqu'on l'adapte, où là, pour le coup, l'imagination est le parfait libre cours pour laisser un petit peu tout ce qu'on a envie de mettre en place, se mettre en place à l'écran. d'autant qu'ils ont su s'émanciper parfois justement du bouquin pour proposer des nouvelles choses qui n'y étaient pas dedans. Mais ceci dit, peut-être pas assez. Je sais pas, je me questionne tout autant en même Non, temps, mais en même oui. temps que je parle, parce que je sais pas c'est quoi la solution. Est-ce qu'il fallait s'émanciper à fond et ne rien faire de la BD parce que c'est inadaptable? Est-ce qu'il fallait au contraire rester dessus et mieux le faire, mais est-ce que c'est seulement possible? Je suis pas sûr non plus. Donc ils ont au moins le mérite de proposer parfois des nouvelles choses qui marchaient pas forcément toujours bien non plus, Ouais. parfois qui marchaient un peu mieux. Mais voilà, enfin, j'ai eu la curiosité, enfin le plaisir de pouvoir comparer les deux parce que j'avais lu la bande dessinée. C'est la question que je te posais juste avant de commencer la vidéo. C'est que pour quelqu'un qui n'a pas du tout lu la BD ou qui ne la connaît pas, wow, ça va être très compliqué de rentrer dedans, voire d'apprécier le film. Je sais pas si on en est à quelque chose de mauvais, mais les trois personnes qui sont parties, je pense qu'elles ont peut-être pas lu la BD. Ouais, c'est ça. Le fait est que quand on a lu la BD, on a au moins le plaisir de se dire, tiens, bah, comment ils ont adapté ça? Tiens, telle scène, je la connais, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et que ce soit mauvais ou bien, bah, au moins, voilà, la curiosité est là. Le fait est que j'ai pas forcément beaucoup apprécié le film, mais j'ai pas passé un mauvais moment parce que je me suis dit, bon, bah, ok, ils ont fait ça, je suis content d'avoir vu ce qu'ils en ont fait. Si je l'avais pas vu, je pense que ça aurait été peut-être une autre paire de manches. Mais parce que, comme je te le disais, on est dans cet exemple typique de l'absurde poussé à un extrême où l'absurdité en devient cohérente. Ce qui est un paradoxe que je trouve assez fascinant parce que de plus en plus de cinéastes tombent là-dedans. Un exemple qui fonctionne et qui est dans cet esprit-là, c'est tous les films des Zaz. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic? Les Sky Movies? Tous les trucs comme ça parce qu'on a un matériau de base où il y a déjà une structure narrative parfaitement construite. Et donc, du coup, la seule chose qu'on rajoute par-dessus, finalement, ce sont des blagues, des gags, des trucs, des visuels, des persos, des dialogues. Et c'est ça, en fait, qui fait tenir le truc. Le problème ici, dans la structure de base, je trouve, de l'écriture qu'ont voulu mettre Gagé et de Sania, c'est que. Ils veulent rendre absurde l'absurdité. Quelque chose qu'il est déjà. Exactement. Donc du coup, constamment tout du long du film, on se retrouve devant des situations absurdes traitées comme si elles étaient normales. Je prends pour exemple la scène d'introduction où on voit Fabrice aller au supermarché. Tout est traité de manière très logique. On nous place vraiment le personnage comme étant connu de manière logique. On nous place l'arrivée à la caisse de manière logique. On nous place la carte de fidélité comme quelque chose de logique. Et là, l'absurde commence à débarquer quand on commence à avoir le il n'a pas sa carte de fidélité, l'agent de sécu arrive, et ça pourrait marcher. Sauf que même ça, c'est traité de manière très crédible. C'est genre comme si c'était normal. Comme s'il avait oublié son portefeuille et qu'en fait il n'avait pas de sous pour payer et qu'il fallait qu'il aille dans le bureau. Et ça, c'est pour moi le gros problème du film, c'est que l'absurdité devient cohérente au sein de son propre univers, au sein de sa propre diégèse. Et du coup, en tant que spectateur, tu peux ne pas rigoler devant ça. Parce que c'est pas traité de manière loufoque. Et pourtant, des fois, c'est à l'inverse. J'ai vu des films ou des faux documentaires qui sont très drôles parce que c'est n'importe quoi, mais c'est toujours traité avec un tel sérieux que c'est ça qui fait, comment dire, La sève, ouais, voilà. C'est un peu comme un épisode de South Park où tu pars sur un truc qui est tout simple et qui prend des proportions incroyables, mais toujours traité de manière sérieuse. Et je pense que ça, justement, ça peut être très drôle si c'est bien fait. Et là, peut-être que ça l'était pas, parce que ça va à l'inverse de ce que tu disais, ouais, mais pour autant, je trouve que des fois, ça peut très bien marcher ce genre d'exercice. complètement. Et là, non, alors pourquoi, je ne sais pas, Bah, c'est mais... ce qui rend les films des As très intelligents, c'est que l'absurde arrive toujours avec beaucoup de sérieux. Tu regardes les films avec Oui, bah Leslie oui, la Nielsen, par Sinisen, exemple. Leslie Nielsen, il ne rigole jamais, il n'est bah jamais dans ouais. l'idée de la blague. Il est tout le temps très carré, il regarde de manière sérieuse la caméra. Enfin, il y a toujours quelque chose de très concret. Et là, c'est bizarre parce qu'ici, ça prend jamais parce que tu as l'impression que ça devrait être complètement loufoque. Et ça part jamais complètement en cacahuète. T'as un peu l'impression qu'il y a toujours un espèce de moment où les deux ils se disent, attends, faut qu'on ramène quand même le perso dans une histoire à peu près normale, donc vas-y, ramène-le là-dedans. Et puis là ensuite on Tout en rebalance un petit regardant peu du second d'absurde. degré, C'est alors que ça. soit tu fais au premier degré quelque chose qui n'a aucun sens, soit tu pars totalement. Mais là, ils sont entre les deux, donc il n'y a ni de premier degré parce que c'est toujours trop loufoque, mais toujours dans le second, enfin, ouais, c'est un entre-deux qui sur lequel peut-être ils savent pas Je sais pas. mettre le doigt. C'est une vraie question là, parce que pour le coup, on a vraiment cette impression, on a vraiment eu tous les deux cette impression en sortant du film qu'il n'était pas pétri de mauvaises intentions, qu'au contraire, il était Non. même plutôt dans l'envie de vouloir respecter le matériau de base tout en essayant de s'en détacher un petit peu, en apportant un petit peu plus, notamment le dernier acte qui lui, pour le coup, est complètement inventé parce que dans la BD, il n'y a pas de procès, et là, pour le coup, il y a un procès qui se met en place et qui a voilà, un vrai déroulement, et même la fin est traité de manière très différente que dans le bouquin. Je pense qu'ils se sont dit aussi que c'était pas visuellement intéressant de faire ça, Et bah là, du coup, c'était donc là, pour le intelligent de coup. vouloir changer. Mais donc du coup, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même des vrais choix.
Tu vois, il y a vraiment des vrais choix de vouloir se séparer de la bande dessinée et dire au cinéma, on ne peut pas faire ça comme ça. Parce que si on le fait pareil, ça marche Mais c'est pas. ce qu'ils auraient dû se dire, je pense, pour plein d'autres scènes qui, à mes yeux, ne marchaient pas Et à à fond, quoi. contrario, moi j'aurais bien aimé voir cette voiture valdinguer dans tous les Ouais, sens. Je trouve qu'elle manque au film, mais vraiment. justement, c'est ça, c'est typiquement le genre de truc qui est inadaptable. Parce Ouais. que, Oh, putain, c'est... tu peux trouver des moyens drôles, je pense. Mais personnellement, j'aurais beaucoup aimé voir cette voiture valdinguer. Mais je sais pas comment ils Le auraient retour à la fait. normale où il est juste la dernière case, mais putain, c'est vraiment de la merde, Renault. Mais... Et juste, il continue comme ça. Les transitions sont drôles parce que tu passes de case en case, et je trouve qu'une transition en film, bah, j'ai plus d'exemples, il y en a eu plusieurs dans le film, où justement, parce que tu la regardes en case, tu te fais ton idée du truc, et là, ça marchait pas, quoi. Bah, moi, il y en a une qui me vient en tête, c'est la scène où il va se planquer chez son ancienne camarade de Oui, classe et bah voilà, typiquement. que... Voilà, ceux qui connaissent la BD verront cette scène, on va éviter de vous la spoiler si jamais vous voulez aller voir le film, mais en gros, cette scène-là, en BD, fonctionne hyper bien parce qu'elle est fixe et on voit tout ce qui se déroule et il y a un running gag à la fin qui fait que ça fonctionne. Là, dans le film, je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas la même énergie parce que c'est pas pareil. Il y a peut-être le fait qu'on s'attarde trop sur le personnage de Fabrice à ce moment-là et qu'on veut lui Ouais, faire peut-être. faire trop de choses, mais je trouve par exemple que cette scène-là, pour moi, elle est symptomatique de vouloir ramener l'histoire à Fabrice et pas se dire que finalement ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce Ce qui se petit passe autour, univers et ce ouais. microcosme qui se met en place autour de lui. Et c'est ça qui est absolument génial. Enfin, à l'image, moi je trouve la scène la mieux réussie en termes de transposition BD-cinéma, c'est la scène du journal télé. Qui est complètement à mourir de rire, et moi je trouve elle m'a vraiment fait hurler de rire. Je trouve qu'elle fonctionne hyper bien avec le jeu justement du son qui part un petit peu en cacahuète où tu sens que le personnage se barre et va se planquer derrière toi pour continuer son râlage et que le mec continue à faire son journal. Cette scène-là, elle fonctionne hyper bien. Bah ouais, assez inégal, quoi. En termes de mise en scène, ce qui est toujours intéressant avec les adaptations de BD au cinéma, c'est que généralement, il y a une vraie différence dans le travail du traitement de l'image. Parce que vous regardez une BD, la plupart du temps, c'est une situation dans une case. Et lorsqu'on change de case, c'est une autre situation. Or, au cinéma, la plupart du temps, c'est plus compliqué parce qu'il faut amener du dynamisme et qu'on a tendance à se servir du montage un petit peu pour abuser de ça. Et je trouve qu'ici, si la mise en scène n'est pas trop mal durant une grande majorité de son temps, je dois avouer que moi, mon problème, ça a été le montage. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai trouvé que le film avait tendance à vouloir constamment faire des cuts, là où justement, la grande adresse de Fab Caro dans la BD, c'est de savoir qu'un gag, plus on le prolonge dans un cadre fixe, plus ça fonctionne. Oui, c'est pas faux, j'ai pas forcément relevé beaucoup là-dessus. En fait, moi, la scène où j'ai tiqué ça, pour te donner un ordre d'idée, c'est la scène où t'as le journaliste qui va interviewer les deux petits vieux, avec le « et vous diriez qu'il y a de l'insécurité ». Et en fait, dans la BD, c'est juste un plan fixe. Oui, on voit que les vieux. On voit que les vieux. Et d'ailleurs, en plus, la chute de cette scène est totalement ratée dans le film. Oui, non, mais ça c'est clair. Mais du coup, pour moi, cette scène est représentative de tout ce qui se passe dans le film. Il y a trop de coupes de montage. Et du coup, les gags qui devraient prendre place au sein d'un plan fixe et qui du coup sonneraient complètement loufoques, ils deviennent presque crédibilisés en fait par le travail du montage. Et ça m'a presque perdu parce qu'il y avait des moments où j'avais envie de rigoler et où j'arrivais pas parce que je me disais, bah, je sais pas, la chute elle marche pas. Ou il y a un truc qui fonctionne pas, ou l'élément comique qui. Enfin, il y a une scène pour moi qui est bonne et qui fonctionne bien, mais c'est une scène qui est reprise à l'identique de la BD. C'est la scène où il y a Fabrice qui fait du stop, une voiture s'arrête, elle baisse la vitre. Bonjour, c'était juste pour vous dire que j'allais pas vous prendre en stop parce que j'ai pas envie de commencer à converser avec quelqu'un que je connais pas. Et cette scène-là fonctionne hyper bien dans le film, mais parce que. Bah parce qu'on s'attend pas en fait à avoir ça. Après, c'est pas forcément un défaut, surtout pour la scène d'interview des deux petits vieux, parce que justement, moi qui disais bah, c'est bien d'adapter, de faire une différence de mise en scène, etc., de profiter du format cinéma pour en faire quelque chose qui est différent de la BD, ça peut être intéressant justement de ne pas avoir des plans fixes qui sont chiants à l'écran, alors que tu peux rajouter du dynamisme. Là justement, ça parodie tout à fait les interviews télévision où les gens ont rien à dire, mais on leur fait dire ce qu'on a envie de leur faire dire. Pour moi, c'est pas forcément un défaut. La chute est un défaut parce que pour le coup, ils l'ont raté, mais involontairement, je pense. Parce qu'en plus, effectivement, on les voit même pas quand il y a la dernière phrase. Mais ça peut être une idée alors qui déplaît, mais pour moi, c'est pas forcément une erreur Ah non. ou quelque chose de négatif. Parce que dans la BD, c'est un plan fixe, je me dis pas, il faut que ça reste Ah absolument oui, non, non. dans le Ça, je suis film. d'accord En avec tout cas, toi. pour cette scène-là, ça m'a pas forcément dérangé. Ouais. Mais je comprends que ça. En fait, c'est surtout que pour moi, la force d'un gag, c'est quand il prend racine vraiment à l'image et que t'arrives à ne... Tu ne vois pas la chute venir. Ah bah oui. Et ça, c'est ce que je trouve assez intéressant, bah, notamment dans, encore une fois, je vais les citer, mais pour moi, je trouve que le film va vraiment chercher ces références-là dans sa manière d'amener de l'absurde, notamment avec les As, avec les Y a-t-il un pilote, etc. C'est que vraiment, la plupart du temps, le gag vient parce que le plan dure.
Enfin, c'est un truc tout bête, mais par exemple, tu as déjà vu un monsieur tout nu? C'est parce que on a commencé en disant, t'as déjà été dans un cockpit. Ah non, monsieur, c'est la première fois. Et ensuite, on te balance ça. Et Et le on cadre n'a surenchérit toujours. pas bougé. Et du coup, toi, t'es en mode, bah, attends, il est sérieux là? Il va quand même pas en rajouter. Et si, et je trouve que du coup, le fait d'amener des coupes de montage, ça te fait perdre un petit peu le fil justement de la Oui, d'accord, longueur. ok. Donc, cette scène-là, pour le coup, on peut la mettre de côté. Par exemple, ça Non, mais fonctionne. j'entends mieux ce que tu Mais dis. par exemple, c'est l'exemple global du film, c'est que pour moi, il y a trop de montage là où justement ils auraient dû laisser un petit peu plus respirer les scènes. Quitte à peut-être faire un sketch, un sketch, un sketch, et faire en sorte que derrière, Fabrice soit une ligne Oui, une directrice, trame. une trame de base, comme c'est le cas dans la BD. Je sais pas. C'est le juste milieu en fait qu'il aurait fallu trouver. Et après, derrière, par contre, il y a plein de petites idées. Je trouve notamment le travail de la musique de la part de Youssef très fun. Je trouve la musique très amusante et elle arrive justement à bien capter le côté un petit peu déluré et déjanté de la situation. Et il y a plein de scènes où je trouve ça reste quand même bien foutu. Il y a des jolies idées de plan. L'idée de commencer sur une machine à laver et un tambour qui va aller à 200 à l'heure pour nous faire comprendre que le personnage va partir à 200 à l'heure dans sa vie, c'est une bonne idée. Et ça reste plein de petits trucs comme ça. Mais après, je sais pas. Et puis aussi, alors je sais pas ce que t'en as pensé, tu vas me dire, j'ai trouvé le film un peu long pour un film de 1h22. Bah, fallait pas qu'il dure plus, Ouais, effectivement. voilà. D'autant que la fin était rallongée en plus par rapport à la BD. Donc c'est vraiment. Wow, en fait, ça dure que 45 minutes qu'on a fait. Vas-y, il va falloir qu'on invente des trucs. Mais c'est ça. En fait, il faut vous dire que ce qui se passe dans la BD, au bout de 45 minutes de film, c'est fini, hein. C'est Non, torché, c'est bon, peut-être un plié, et tout petit peu puis. plus, mais pas Ah, beaucoup, presque, ouais. hein. Presque, hein, quasiment. Je pense qu'il y a facilement 40 bonnes minutes de film en plus. Enfin, 40 minutes qui ont été construites à partir justement, de hypothétiquement, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait le procès de Fabrice. Parce que réellement, ouais, au bout de 45-50 minutes, le film est fini, la Ouais, BD est ça. finie, hein. Mais comme quoi. Et cette partie-là, je l'ai vraiment bien aimée en plus. À partir du moment où il commence à amener vraiment de la nouveauté au sein de cet Bah parce que univers-là, justement tu ouais, découvres. c'est ça. Mais au-delà de ça, je trouve que même esthétiquement parlant, c'est des séquences qui sont beaucoup plus posées, qui sont dans l'envie de vouloir justement immerger le spectateur dans cette séquence de procès. Et du coup, à partir de là, moi j'étais en train de me dire, bah là les gars, vous tenez quelque chose. Cette séquence de procès où il y a Fabrice qui commence à faire son long discours, bah, je trouve qu'elle marche. Du coup, c'est quand même con, parce que c'est typiquement les scènes qui ne sont pas tirées du livre qui marchent le mieux. Donc, comme quoi, ils sont capables de faire des trucs. Ben C'est oui! juste qu'il a trop vouloir rester collé au bouquin. Et bah, voilà, ce qui marche pas, ce qui est inadaptable ne marche pas. Je l'ai répété Bah, 50 000 fois, et mais t'en voilà. perds de la Et créativité au moins, filmique. ouais. Tu en oublies finalement que adapter un matériau, c'est aussi créer quelque chose à partir de ce qui t'est montré. Oui, ça. Ça Et veut pas c'est. dire coller à 100%. Et la preuve, c'est que quand il propose des choses, bah, des fois, ça marche plutôt bien. Ben ouais. Au niveau du casting, qu'est-ce que t'as pensé de la performance de Jean-Paul Roux? Chose à dire à part correct, enfin, je pense que. Alors, il est toujours dans le ton, je trouve, parce que Jean-Paul, il a une manière de parler, etc. Et des fois, là où je me disais certains personnages, j'aurais pas lu comme ça cette phrase ou je me l'imaginais autrement, souvent il était juste par rapport à ce que j'avais du bouquin. Ouais. Donc, il est. Non, il est toujours juste, il est toujours dans le ton, et puis bah, c'est Jean-Paul Ouais. Rouve, donc. Moi, dans l'ensemble, je trouve qu'il a bien réussi à capter le côté un peu déjanté du personnage tout en le gardant très terre à terre. Et je trouve que ça marche bien. Parce que j'avais très très peur, justement, par le biais de Jean-Paul Rouve, qui est quand même un acteur qui est parfois très exubérant et qui a tendance à peut-être parfois être capable d'en faire des caisses. Là, au Non, là, contraire, c'est j'ai très. trouvé qu'il était tout dans la retenue, tout dans la cohérence par rapport à son personnage. Je trouvais que ça marchait bien. Je trouve que derrière Julie Depardieu et Ramzi Bedia sont bien. Sont pas exceptionnels, j'ai notamment un gros problème, j'en ai pas trop parlé parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans au niveau spoil, mais le personnage de Ramzi Bedia, je trouve qu'il est inutile et qui, à part dans une scène où ça marche, le reste ça ne fonctionne pas et je trouve ça rallonge le récit pour rien. Yolande Moreau est bien, quoique sous-exploitée, je trouve, dans le rôle du Bah commissaire, oui, clairement, alors que là c'est pour une le coup. actrice qui a quand même un super charisme à l'écran et je veux dire, quand tu te sers de Yolande Moreau, faut t'en servir parce que vraiment elle est douée et là je trouve qu'elle est pas assez utilisée, alors vraiment elle a des scènes qui sont à Ouais, c'est mourir de vraiment un rire. second rôle, voire Un plus. rôle tertiaire, un peu comme Ouais. Julie Gayet d'ailleurs. Julie Gayet qui joue donc le rôle de Florence qui vraiment est tertiaire, alors que pareil, elle aurait pu amener quelque chose de plein de trucs. On va pas citer tous Bon, les après, c'était un acteurs choix, mais qui. quitte à avoir des rôles comme ça tertiaires, c'est plutôt un bon casting, Ouais, c'est ça. ça veut dire. Pour moi, les deux qui arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu, c'est Jeanne Arène et Marc Rizzo dans le rôle de la caissière et du vigile, qui les deux pour moi sont très drôles. Les deux pour moi fonctionnent vraiment bien et je trouve qu'ils ont des scènes où vraiment ça mourrait de rire, la scène de reconstitution. Celle-ci est très bien, justement. Elle joue hyper bien, quoi. Oh là là, elle est exceptionnelle. Et lui aussi, mais lui, on va vous garder la surprise parce que vraiment, il est excellent. Et après, bon, on va pas vous citer tout le casting qu'il y a, mais il y a une séquence où on a le casting qui se rallonge d'un seul coup, qui fonctionne hyper bien, je trouve. Et qui est basé en plus sur une blague de la BD, la scène du chant, la scène de la chanson. Oui, pardon, oui, effectivement. Oui, tout à fait. Qui est très très drôle.
Oui, c'est un bon paquet de caméos. Ouais, et ça marche bien pour le coup. Ils ont Ah vraiment oui, bah réussi à oui, bien s'en bah, servir et ça fonctionne bien. ça aurait été dommage de rater ça. Ah bah ça c'est clair. Vu l'opportunité, ça aurait été dommage. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Zai 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 Zai? Et bah qu'il faut pas adapter ce qui est inadaptable et que voilà, faut savoir s'émanciper peut-être de la BD pour proposer quelque chose de différent, mais qui se baserait sur la même idée de base. Ça aurait été peut-être plus intelligent. Et la preuve, c'est qu'à la fin, quand ils le font, bah, souvent ça marche. Parfois ça marche pas, mais au moins ils essayent. Et que voilà, Fab Caro, c'est quand même très compliqué à adapter parce que c'est drôle, parce que c'est écrit et parce que ça se lit. Merci, merci Adrien. Non, mais tu as raison. C'est un matériau qui aurait pu être très intéressant, qui n'en reste pas moins divertissant, je pense, pour ceux qui ont lu la BD. Parce que sinon, accrochez-vous, parce que c'est quand même compliqué. Je serais curieux d'avoir l'avis de quelqu'un Ouais. qui n'a aucune idée de ce qu'est la BD et qui ressort du film. Oui, n'hésitez Glissez dans les pas, vraiment. commentaires. Parce que vraiment, pour le coup, tu l'as bien dit en sortant, et pour le coup, je me suis instantanément dit que tu avais raison, mais quelqu'un qui n'a jamais lu la BD va clairement se dire dès les premières minutes, qu'est-ce que je suis en train de mater? Et potentiellement, au bout de 40 minutes, on peut se demander où ça va aller, Et dans quelle direction ça va se tourner. même avec tout le second degré du monde, je pense pas que ça suffise en fait. Si Non, ça tu t'y suffit connais pas. pas, ça suffit pas. Et Ça c'est le problème suffit du pas. film. Le problème du film, c'est pas non seulement d'avoir une bonne adaptation, c'est d'avoir un produit que même si tu connais pas l'œuvre de base, bah il marche quand même. Parce que c'est le but de faire un film, c'est de le faire découvrir aux gens qui ont pas forcément lu. Exactement. Là, bah pour moi, du coup, c'est raté. C'est. Je crois qu'on va se terminer sur ces bons mots. Donc, C'est raté. la curiosité est peut-être un vilain défaut, mais si jamais vous avez envie d'en faire les frais, eh ben essayez Zai 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 de François de Sagna. Sinon, bah, si vous le sentez pas, le sentez pas. Hein. On va pas vous obliger, on va pas vous mettre un couteau sous la gorge ou un poireau sous la gorge pour vous obliger à aller voir le film. Clairement pas. Oh non, non, non. Merci mon cher Adrien Avec plaisir. d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère qu'on se retrouvera vite. Mon petit doigt Merci. me dit que tu vas vite revenir sur cette chaîne. Mais ça, vous allez le voir. Et Ciao. d'ici là, bah, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. J'ai jamais ma carte de fidélité, moi, au magasin. Si, Quoi? si demain ça arrive, je suis dans la merde. Hein. Moi, j'ai jamais dit oui à la question, vous avez votre carte de fidélité. Moi, j'ai jamais dit oui parce que je la sors toujours avant qu'on me la demande.